Salut les amis, comment ça va? Ah, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver bien évidemment sur cette chaîne La Pilule du Bonheur. On s'abonne pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors Koh-Lanta, la polémique en ce moment sur Koh-Lanta elle est terrible parce que forcément l'histoire de Théora, tout le monde en a parlé, tout le monde a rebondi. Mais bien sûr, Théora il a déconné. Mais il paraît qu'il n'est pas le seul à avoir mangé, mais bon on se dit voilà. D'un aventurier de cette trempe, on se dit c'est pas possible. Comme par exemple un Régis, tu vois, parce que Régis, il était sur le plateau hier de Touche pas à mon poste, invité de Cyril Hanouna, avec Kumba. Alors Kumba, entre parenthèses, très jolie femme, hein, déjà dans la compétition, enfin dans l'aventure, elle est très belle, mais là, sur le plateau, elle était magnifique. Alors, elle était rayonnante, elle était belle. Par contre, il y a tellement d'ego chez ces aventuriers que ça devient embêtant, gênant. Bon, c'est pas grave, passons. Si on revient, moi, la vidéo que je fais maintenant, c'est pour dire tout simplement que j'ai plus vraiment envie de regarder Koh-Lanta quand je sais, parce que ça, c'est un des trucs les plus pires qui pouvait arriver, c'était que quelqu'un casse cette règle. Parce que bien évidemment, c'est ça l'aventure, c'est de pas manger, enfin de survivre avec, c'est de la survie. Donc Théora, il a complètement oublié le truc survie, quoi. Bien sûr, on comprend que, enfin, est-ce que. Pour ceux qui regardent la vidéo, je pense qu'il n'y a même pas 1% qui a jamais passé sa vie à 2 jours sans manger, par exemple. C'est très dur de passer même une journée sans manger, c'est dur. Eux, en plus, ils ont des épreuves, de la compétition, donc c'est un travail mental et physique en plus. Tu vois, ils ne sont pas juste sur l'île couchés par terre. Comme dans, par exemple, vous connaissez l'émission Instinct Primaire, où tu vois, bon, ils font pas de la compète, les mecs, ils font vraiment de la survie. Tu vois, bon, bref. C'est pour dire, moi j'ai plus envie de regarder Koh-Lanta parce que c'est sûr que ça a cassé l'image. Hein. Théora, il a beau s'excuser sur les réseaux sociaux, à dire voilà. Mais quand même, il y a tous les commentaires, il y a énormément de commentaires de support pour lui. Il a bloqué des commentaires parce que bien évidemment, il y a eu des mauvais commentaires. J'imagine bien que les gens sont tellement déçus. Mais bon, si on voit, c'est un jeu et l'erreur est humaine, quoi. Enfin, je veux dire, l'horreur, elle est humaine. Hein, on voit bien ce qui se passe, c'est que c'est au-delà de cette aventure avec tous les égos qui n'arrêtent pas de se clasher, hein, il y a quand même des belles choses, des belles images, c'est pour ça qu'on regarde Koh-Lanta. Mais là, avec cette règle comme ça qui a été transgressée, il aurait dû être complètement sorti. Pour moi, il devrait même plus être dans la résidence du jury final parce que son jugement, il sert plus à rien. Parce que le mec, il va juger des aventuriers et lui-même, il n'a pas été capable de respecter la règle. Après, si on revient sur toutes ces attaques qu'il y a sur les réseaux sociaux hein, concernant les aventuriers de Koh-Lanta, mais il faut se dire aussi, attends, si tu vas faire Koh-Lanta, on vit dans une époque où peu importe ce que tu fais, dès que tu es vu, il y a des critiques. Les gars, faut qu'ils arrêtent de se plaindre. En ce moment, c'est le bureau des pleurnicheries à la télévision où tout le monde vient pleurer parce que tout le monde les attaque. Arrêtez de pleurer. Changez votre style si on vous attaque. Tu vois, fais un truc, fais quelque chose. Vis avec, mais viens pas te plaindre. Tu vois, c'est comme si moi je faisais une vidéo. Tout le monde me déteste, alors dans ces cas-là, te montre pas, tu vois. Donc voilà, il faut se dire tout ce genre de choses-là. Moi, je vois les choses avec un côté optimiste et opportuniste. Mais tu vois, Koh-Lanta, maintenant, si tu y vas, il faut vraiment être un bon acteur, quoi, parce qu'il faut de l'acting, mais il faut être vrai. L'acting, c'est pas mentir. L'acting, c'est être qui tu es. Et tu interprètes un personnage, tu fais un truc, mais t'es qui tu es, tu vois. Qui tu es. Enfin, qui tu es. Pas dans le sens qui tu es, mais qui tu es, quoi. Tu vois. Et c'est ça qu'ils font, hein. Ils n'arrêtent pas de se dégommer, quoi. Ils se dégomment à la télé tout le temps, tout le temps. C'est un truc de fada. Et c'est vraiment la poubelle ambulante. Et Koh-Lanta, c'est en train de devenir ça. Et c'est énervant. C'est énervant parce qu'il y a énormément de fans, hein. Il y a énormément de gens déçus. J'ai même entendu des parents qui interdisent à leurs enfants de regarder maintenant la suite de Koh-Lanta parce qu'on dit que. C'est faussé maintenant l'aventure. Elle est faussée. Et ils se sont tous jetés dans un fossé carrément avec cette histoire. Parce qu'il n'est pas le seul, Théora, à avoir mangé. Tu vois, il a vu un bateau croisière qui passait, ou je sais pas c'est quoi l'histoire en vrai. Tu vois, ils ont vu un espèce de bateau qui passait, les mecs ils avaient de la bouffe. Après 20 jours sans manger, bien évidemment, que le gars, si tu lui dis, hey, t'as pas un petit truc à grignoter, tu vois, un petit M&M's, parce que t'as vu, tu les as chopés les M&M's là. Puis tout à l'heure tu les regardes. T'as envie de te faire des M&M's. Bon. Ben imagine quand t'as pas mangé pendant 20 jours, il y a des M&M's qui traînent. Bon, M&M's, SMS, MMS, M&M's. Bon, alors,
Et Alix aussi, on n'en peut plus. Hein, je sais pas pourquoi je dis M&M's, je pense à Alix. Bon, bref. Et j'étais étonné de voir Régis sur le plateau. Et tu sais que lui, il disait quand même qu'il a été menacé de plein de trucs et tout. Le mec, il est quand même fort mentalement parce qu'il revient à la télé et on a vu qu'il a vraiment, vraiment envie de reparticiper à Koh-Lanta, le gars. Ils vont le reprendre, ce bouffon. Bon, bref. C'était pour rigoler. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Les mecs, ils se font attaquer et ils pensent que ce sont des victimes. Mais et ceux qui font même pas l'aventure, qui font rien, qui ont envie de la faire, par exemple. C'est pas des victimes aussi d'un jugement qui n'a pas été fait correctement au casting, parce qu'il y a un tas de gens qui s'inscrivent pour Koh-Lanta et qui ont vraiment le level, quoi, pour le faire. Tu vois, des gens qui feraient vibrer la télé. Tu vois. Et là, ils sont en train de nous mettre. Même dans un All-Star, ils ont réussi à nous ruiner le truc, quoi. Fallait pas le mettre, ça, fallait pas le dire. Tu vois. Ils ont voulu le faire, pourquoi? C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que TF1 a diffusé ça? Parce que, vous avez vu, c'est pas du direct, hein, ça a été enregistré 6 mois à l'avance. Donc quand même, c'est un choix éditorial, c'est un choix de la production qui se dit, bon, on va quand même montrer ces images et on va tourner l'histoire de cette manière. Parce qu'ils auraient pu couper tout ça. Tu vois, ils auraient pu inventer une autre histoire où Théo ressort, tu vois, ils trouvent un truc, bref. Ils l'ont dit, c'est honnête, ils l'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi qu'ils cherchent à faire quand ils font ça? Est-ce que c'est fracasser Théo ou... Parce qu'ils prennent une claque dans cette histoire, Koh-Lanta, l'image. C'est sûr que ça va être controversé dans plein de sens, mais les vrais fans, ceux qui vraiment qui comprennent l'aventure, se disent, à partir du moment où tu transgresses cette règle, même si c'est humain, je suis d'accord, c'est humain de prendre un truc à manger parce que tu as faim. C'est normal, c'est l'instinct primaire, quoi. C'est le premier truc, boire et ensuite manger, quoi. Tu vois? Donc voilà. S'imagine s'ils n'avaient pas d'eau. Alors ça, ce serait plus compliqué, tu vois, à mâcher des feuilles ou à, tu vois, essayer de filtrer de l'eau de mer dans le sable, je sais pas, t'es brouillé, tu vois, t'as un Lipton Ice Tea Tonic Schweppes bien dégueu, voilà, ouais, je raconte n'importe quoi, mais pas plus que les autres, hein, je te jure que c'est pas plus que les autres, ah, c'est un sketch complet, là, mais ouais, mais il faut le voir en dérision, tout ça, parce que c'est dérisoire, Koh-Lanta, c'est pas la vraie vie, c'est même pas la vraie survie, c'est une émission de télé-réalité, c'est un jeu. Et ils le disent très bien, tu vois. Ils le disent. Oh, j'ai branché, tu sais quoi? J'ai branché l'écouteur pour mettre le micro, mais j'ai pas branché le truc. Je viens juste de m'en apercevoir. Et c'est la fin de la vidéo, tu vois, dans quelques secondes. Ah bon, mais c'est pas grave. Il y aura un autre son. Le son ne sera pas excellent, mais bon, le son sera pas mal. J'espère qu'il sera pas mal. Enfin bref, vous laissez des commentaires de ce que vous pensez de tout ça, de ce qu'on vient de discuter, tu vois. Est-ce que tu vois les choses de la même manière que moi, ou est-ce que tu te dis non, il y a quand même des choses à rajouter là-dessus, à se dire il y a ça aussi quand même, parce que bon, j'ai pas tous les détails. D'ailleurs, personne n'a tous les détails, à part la production. La production a tous les détails, mais le reste des gens, et bref, nous on est des petits gens, on regarde ça, mais quand même on est déçu quand on voit ce genre de truc-là. Voilà. Mais quand même, peace, hein, love, one love pour tes bras, hein. De toute façon, moi, je le pardonne, et j'espère que tout le monde vous le pardonnez aussi, bien évidemment. Ah ouais, pardon et amour, ce sont les deux clés, les deux mots-clés qui t'emmènent au succès. Hein. Donc voilà. Alors, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, mais pas sur la bouche, ni sur la joue. Allons, en ce moment, c'est pas possible. Allez, ciao, 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 ciao.